C'est la revanche de la culture. Les musées de Sarreguemines ont dévoilé leur programme lundi lors d'une conférence de presse au Moulin de la Blize. Après ce début d'année mouvementé, la culture redémarre enfin pour finir 2020 en beauté. Il était important pour nous de proposer tout ce qui était pré-programmé et qu'on n'a pas pu, pour des raisons évidentes, proposer. Et plus encore, c'est pour ça que nous avons développé toute une programmation beaucoup plus riche et plus dense. Promouvoir la ville et le vivre ensemble à travers des expositions, des concerts, des ateliers ou encore des défis sportifs, voilà tout l'enjeu de cette nouvelle programmation culturelle. Et il y en a pour tous les goûts. Il nous était important aussi de proposer une offre pour tous. C'est-à-dire, on a des ateliers d'animation les mercredis matins, les dimanches, qui sont pour les familles, pour les enfants et même les tout-petits. Vous pouvez déjà admirer l'exposition « Grès Lorrain de Sarreguemines » depuis le 28 août au musée de la Faïence. D'autres arrivent très prochainement, comme par exemple Faïence Power, qui reconstitue à l'identique un appartement typique des années 70. Les musées de Sarreguemines ont travaillé sans relâche depuis des mois pour proposer des contenus inédits. On a une équipe en fait scientifique au sein des musées de Sarreguemines qui travaille en fait à développer la connaissance, enfin nos connaissances sur nos collections et les faïenceries de Sarreguemines. La programmation complète est à découvrir sur le site sarreguemines-museum.eu. De nombreuses surprises vous attendent.